Quand vous rentrez dans vos chambres, vous verrez qu'il y a des lits superposés. Vous autorisez de démonter ces lits, mais de les remettre dès l'instant où vous quittez les lieux. Pas chaque soir, bien entendu. Plusieurs poubelles. Vous utilisez du tri sélectif. Chaque objet dans sa poubelle. Si vous ne le faites pas, nous déversons les poubelles sur Paradoune. Vous allez crier quand vous venez ce soir. Donc, ne laissez rien traîner dans vos chambres, ni comme ici, vous pouvez changer. Autrement. Tu peux le dire. Ouais, très bien. Vous orientez votre plan. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman.
pas de secret, pas de surprise. Il s'agit d'un parcours stress. Voilà. Alors je ne vais pas en dire beaucoup plus. Parce que le but c'est de garder quand même un minimum de surprise. Mais vous allez voir, tout va bien. Dans ce moment même là, vous avez fui. Est-ce que pour autant vous êtes un mauvais flic? Non. Pourquoi? Parce que le stress, il n'est pas là tout seul. Le stress, il vous accompagne dans votre journée, dans votre vie privée et dans votre état de drill. D'accord? Et donc ce stress-là, il vous accompagne tout le temps. Et donc, un message que j'ai envie de vous donner, c'est le premier, c'est que vous n'allez pas vivre la même situation chaque fois de la même manière, parce que le stress va vous accompagner d'une façon différente, première chose. Deuxième message, vous n'allez pas vivre le même stress que vos collègues. Et troisième message, c'est pas parce que cette fois-ci, j'ai vécu mon stress en fuyant, que je dois remettre mon C4, mon préavis, parce que je ne suis pas un bon policier. À votre avis, pour éviter ces trois situations de stress, quelle est la meilleure manière de parer à ces trois? Anticiper et driller. Mais anticiper, c'est se driller. Okay. Et donc, driller, ça veut dire quoi? Parce que c'est un mot un peu... Mais par exemple, comme maintenant, le fait que la personne ait été directement agressive envers nous, le fait de s'entraîner à rester calme et lui donner les injonctions. Et entraîner, ça veut dire quoi? Répéter. Voilà. Donc, j'ai retenu dans la piste ici deux images, oui. L'heure, 2 heures, oui. Les mots qu'on m'a donné, Catherine, Kubiaski, oui. La plaque 1DF041, et la troisième par contre, okay. Autrement, je me sentais à l'aise dans le sens que je me dis, je vais répondre à ça. J'ai confiance, donc je vais continuer. Avant, t'as pas trop mal mené? Non, ça va. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when